bika e Yawe fongola lola basali bazunguya Yawe fongola lola makambwe bomana e Yawe fongola lola ye Beta maboko wana makasi Na ngambwa banguna na yo ezo bomo na bakake Lobite lelo e Yawe e Lobite siko yo Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. Amen, amen. Amen. Oui, notre thème du jour s'intitule la destruction des œuvres diaboliques. La destruction des œuvres diaboliques. Amen. 1 Jean 3 verset 8. Quelqu'un peut lire en français ou bien en anglais? Lisons. The person who practices sin belongs to the devil, because the devil has been sinning since the beginning. God's Son appeared for the purpose to destroy the works of the devil. Amen. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Amen, amen. Amen. Celui qui pratique le péché est du diable. Oyo avandi na kosale lisumu tisikawa azali mwana na diable. Il est du diable. Ce verset ne concerne pas qui que ce soit, ça concerne les chrétiens et les non-chrétiens. Un chrétien qui est jusqu'aujourd'hui en train de faire le péché est du diable. Un païen qui n'a pas encore connu Dieu, qui n'a pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, est du diable. Un chrétien qui s'est dit enfant de Dieu, mais qui est toujours dans les péchés jusqu'au maintenant, est du diable. Amen. Puisque le diable pêche dès le commencement. Depuis le commencement de ce monde, diable a toujours péché. Il continue encore à pécher jusqu'à maintenant. Mais quand quelqu'un vient en Christ, il abandonne tous les péchés. Tout ce qu'il faisait avant, c'est une vie ancienne. Et la vie qu'il a maintenant, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la vie nouvelle. Il est un enfant de Dieu. Mais s'il continue toujours à pécher, il est fils de diable. Puisque le fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous servons, apparaît pour détruire les œuvres du diable. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu pour détruire les chrétiens. Mais Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable que Jésus-Christ est venu détruire dans notre vie? Nous lisons Jean et Galates chapitre 5, verset 19 à 24. Là, nous verrons, nous lisons Galates 5, verset 19, nous allons jusqu'au verset, mettons 21. Nous lisons Galates 5, nous commençons du verset, du 19e verset jusqu'au au 21e verset. Galates 5, 19 à 21. C'est par là, bien aimé, que nous allons voir la différence des œuvres que Jésus est venu détruire. Jésus est venu détruire les œuvres de Satan. Jésus n'est pas venu pour détruire les enfants de Dieu, mais Jésus-Christ est venu détruire les œuvres que l'ennemi Satan nous amène
que l'ennemi Satan amène dans nos vies. Yesu mwana na Nzambe aye pona ku détruire ba œuvre ya Satana. Amen, amen. Amen. Nous lisons Jean et Galates 5, comme nous avons dit tout à l'heure, chapitre 5, verset 19. On peut lire aussi en anglais si quelqu'un est prêt, et on lit aussi en français. Galates 5, verset 19 à 21. Nous lisons en anglais, et moi je lis en français. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, mm-hmm. and uncleanness, lewdness. Did you want 20 or just 19? 21. 20. Adultery, sorcery, hatred, contention, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like of which I tell you before. Sorry, that's 21. Yeah. Amen. Ah, oui, Galates 5, 19 jusqu'à 21. Nous lisons en français. Or, les œuvres de la chair, ça veut dire quoi? Les œuvres de nos chrétiens, les œuvres de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Et on peut aussi, d'ailleurs, des fois, trouver aussi ces œuvres parmi les enfants de Dieu. Mais ici, c'est bien signifié, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont ceux qui suivent. La débauche, l'impiété, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu nous dit dans sa parole que toute la liste de tout ce que j'ai cité tout à l'heure, ceux-là qui pratiquent encore ces choses-là n'hériteront point les royaumes de Dieu. Amen. Amen. To yebi malamu makambo posa ya bomoto etindaka. Kindumba. Moto azati lelo ko pratiquer kindumba ye ko mwana na Nzambe ko ye ko muta yo kililoba. Bible elobi akwerite royaume de siete. A kobo babenge o chrétien, mais mokolwana ou hérité royaume des cieux. Makanisi ya bosoto, pe makambu ya soni. Makanisi ya bosoto, pe makambu ya soni. Amen. Amen. Qu'on a appelé l'impiété et le dérèglement. Kosambe la banzambe ya bikeko. Cela veut dire quoi? L'idolâtrie. Bato Bazali étant chrétien, mais à quel degré toujours? Koukoutana Bamandona. Il est chrétien. Mais aza toujours na kisumoko songolo kokonaye. Ou bien zeto moko songolo. A kenda koufoka medaka orio kokonaye tikalakaye. Azaka na moi. Crucifixe auto bengaka et kolusu moko boye. Oui bakabele na koko na ye. Azali kaka. Na bac magique. Oui koko na ye akabela oya lataka. Aza ko évoquer kaka bamilu mabe. Oye aye baki ko évoquer tango zaki chrétien. Chrétienté. Tango zaki nan païen. Tout ça a été dit bazambe ya bikeko. Aza nanu kaka. Koke de koufuka mela. Babiloko. Oyo. Et semena bok na bato. Comment vous rendez compte, statuette? Ou moto à sali, à commencer à Benayo. Il y a des chrétiens comme ça. Il est chrétien que le dimanche. Mais le lundi jusqu'à samedi, il est païen. À quoi hériter le royaume des sept heures? Kindoki.
Il y a des gens qui sont sorciers inconsciemment et sorciers conscients. Ça veut dire quoi? Kindoki oyo, ça veut dire mutaza chrétien, il ne veut pas que beke kindoki ezali li sumo e singri ke atubela. Na misu na musa na zamba abonde pona ya kang alongo la kindoki. Puisque kindoki ezali ka malade ko na malade nyos. Mais il préfère toujours na butu akenda kana réunion wana ya. Kindoki ba kendo kulia ka batu komela ka bakila. Il préfère toujours ke ba kande ko memaye. Akenda kana bondoki. Mususa miyebi kazani ndoki. Consciemment, Moussou s'est évité, mais elle se trouve à Kanabutu, mais même il est dans le monde. Mais il n'ose pas, ou bien elle n'ose pas dire ce qu'elle voit et ce qu'elle pense. Zamba Lobi, Jésus-Christ est venu détruire ces œuvres-là. Jésus-Christ est venu détruire les œuvres-là de l'ennemi Satan dans la vie des enfants de Dieu et parmi les chrétiens qui l'acceptent. Qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Koinana. Amen. Koinana. Jalousie. Les gens sont jaloux. Et la majorité des gens qui sont jaloux entre eux, ils sont des chrétiens. Bah, chrétiens. Ming balingaka. Bozu ya moningate. Balingaka sembo ya moningate. Balingaka. Comment le moninga a séparé? Et c'est où il y a moninga, il s'est passé là. Tant moninga a déjà été séparé, il s'est passé dans mon thème, il s'est cognonga mon thème. Dieu nous dit que ceux qui pratiquent encore la jalousie jusqu'à maintenant, là, les jaloux n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et Jésus-Christ est venu détruire les jaloux. Il est venu détruire la jalousie parmi le peuple de Dieu. C'est là qu'ils sont encore jusqu'à aujourd'hui jaloux entre eux. Ils ne sont pas de Dieu. Ce sont des choses qu'il faut éviter dans la vie. Koswana, dis animosité. Koswana. Zoua. Kanda. Amen. Amen. Animosité. Dispute. Kanda. Ce sont des choses que Christ est venu détruire dans la vie des enfants de Dieu. Quand tu deviens Christ, tu dois abandonner toutes ces choses-là. Il faut qu'on abandonne Koswana, il faut qu'on abandonne Zoua, il faut qu'on abandonne Kanda. Kanda est un élément moko très très dangereux où Satan a fait côté de Katnaba ensemble. Batwing, nous souvent des témoignages. Mais toi, tu es un pasteur, toi, tu es un enfant de Dieu. Comment on t'a haï? Batuming toujours la bangwa wapoy. Bakangi. Bakangi bango na milum mabe. Milum mabe e bandi kutube la ndengenin. Bakoti kat na bou moinaye. Par quelle porte est-ce qu'ils sont entrés? Ils sont entrés dans la vie de cet homme-là ou bien de cette femme-là. Oh non, na kote li kune epane na kanda. Sa parti ya kanda ki na kote kat na bou moinaye. A souvent des témoignages. Témoignages moko na mona ki. Ya mama moko. Parmi les enfants. Il y a Mama Wana. Mama Wana a bengi sa, nan mbale ba benga, ba nyes. Mbale na ye, ba benga, ba nyes, ya mbale na ye. Mbale na ye, ba yokani na mwasle plito, mwasle mbale ba yokani, ba bengi ba nyes na bango mi bale na loja. Ba nyes na bango ba komi na loja. Ba longo na loja ba ye na Kishasa avec une mission. Ba bengi ba mwona maoke, ba ya kuvivre na Kishasa. Ba komi na Kishasa. Ba yende na décision, ba yende na mission, ou ba pesa ki bango. Abine mouzo kende, ki fo tiwe, bana ya tata wana. Abouzo kende, bana ya noko na bino, bango nyo subasi la, bobo tla bango penda kwa na, ou bango batali ko sepre na angwa na. Nda ko izayi la maison de la famille, ba tobo bengi bango, nakati ya libota, ba ye pote, ba yeko detwere bino. Me bazo aki tata oyo ndenge nini, tata oyo asa kofi. Ba ne pe mi na ba kofi. Ba zo ki ba mkana kanda. Amen. Dans mon tata na kanda, il perd le contrôle. Et c'est par là l'ennemi Satan profite. Ba zo ki ba mkana kanda. Nde, ba mkana tata oyu. Ba mkana pe ba ne mine.
na bandu kiwana zambi batoyo bayo kolegi mawa kibalo wana mboka baya na kishasa baya na mission baya kuboma bango kande bien aimé to yebi sus mama moko na katekisme na biso tanto bandeki dans les années 80 on l'a tué cette pauvre femme na mama moko za kindo na katekisme la kanda akute ki na kanda makasi moto moko azo kinyongo na ye azo pesa yete kokolaka metan okuti ya tomboki pote nyonge umedi. C'est par là qu'on a eu cette maman-là. Par la sorcière. Et on l'a directement tué. Amen. Amen. Kanda. Et la maman, il faut que l'on la kanda kati na mwomoyi na yo. Et c'est très très important. Et le komoko yamabe oyo. Et c'est ko bomisa pe kolongola bonzambe pe mwisata na zeli ko profite na yango mingi pona kusala ba evre na ye kati kati na bana na nzambe. Amen. Amen. 21. Le verset 21 nous dit ceci. Kozala na motema likunya la vie kwa vie bato ezama na mute kwa vie moninga te sepele na moninga atanango me kubanda ka kwa vie ye. Ah vraiment, il faut nous appeler le collègue. Bah tu m'as dit que tu es convié, baninga na convié, baninga basoa kindoki, na convié, baninga bakota magie, na convié, baninga bakota loge. Eh moninga, tu sais ça classe est longue. Maintenant nous y pensons comme il boye. Eh, la société pense au place babazio pense yo au bête de bako hein. Kaka six mois après bosso mindako, comme une voiture. Nga kune pana biso selebe kutuwa zufuta nga malonga te. Eza mata ya nivona biso te. Mune nye osele ndenga nine pote yoko maboy. Me orke mune nga wana za kulula za kwa mviye ila iteshe. Nane na loju moko songoro. Tade yyo sikawa. Ule kwa kende malembe malembe na vi. Piske batu mingi balula kaba ninga. Na vya buku de jan. Batu mingi vima za peko kufwa. Mususu za kwa mviye azali moto ya maji. Akunde kutu na maji na ye wana. E pou finira okote kamo kili. Tant que les lona na tongo na mas pour dire bien que deux fois nzambazo te kabato nzambazo permettre que batu moto ala kufa pour aza koyokate lona eleki il n'est pas content de ce qu'il a alors le collègue aza convient toujours te kakaka aka docteur na batalo joana akota na loge comme ça tango ba kosenge mama na ya boy kopesa mama ye moko kufa on a des choses comme ça ba kufa nyo toujours na kat na mokilo c'est pas toujours il y a normal mon suspense en basel qu'on permettre donc le bac à Satan nous avons peur qu'on permettre puisque mon que yo le qui c'est amen amen envie quoi envier l'ivrognerie comme la massanga colango moi dans Zambe à Kokutia zotna yo za temple du Saint Esprit à tiango massanga te on ne peut pas mélanger bon Zambe est-ce que Saint Esprit avant dit zotwa na babenge za temple du Saint Esprit ko tia massanga te on ne peut pas il ne faut pas comme la ramassanga. Excès de table. Bah, quand tu es bloqué dans la messe, au couli, yati, au tondi, veut dire, au comme il y a le coso. Amen, amen. Amen. Bah, tu es bloqué, quantité, bah, yib, qui capte, ou y a kamé, ou y a au tondi, te. Ou ke kaka, le souci, ou kouzo, le souci. Yo, mou, tout le monde, 20 fois par jour. Non. Nan, bah, lobby. Ils allaient m'abé. Amen. Excès de table et de choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Amen. Oh, bah, t'as dit que ça, ma cambo, bah, qu'on hérite, bah, qu'on compte, n'a beaucoup de nalola. Amen. Amen. Le Fils de Dieu est venu à Paris pour détruire les œuvres de Satan dans ta vie. Tout ce que nous avons cité ici. C'est ta raison même d'être chrétien. Quand tu es chrétien, tu dois vraiment t'échapper, tu dois vraiment quitter ces choses. En quittant ces choses, tu es vraiment digne d'être appelé chrétien ou bien chrétienne. Bah oh bazana no bana na nzambe amilobi kazene mwana na nzambe asambela ka mais azana no nan na kat na makamboyo il fait semblant il n'est pas encore chrétien il n'est pas digne
Amen, amen. Amen. Mais tant que vous allez kozonga, na même chapitre 5, à partir du 22 jusqu'au 24, c'est par là où tu verras les fruits du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Dieu est venu détruire les œuvres que nous avons citées tout à l'heure pour vous donner les fruits dignes d'être appelé un enfant de Dieu. Amen. 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 Zo kande makambo batwa sala kanango ya moli musantu yangoyo balinganaka. L'amour bazana isengo. La joie, pekimia, la paix. Makanga ga motema. Basel sanak. Basel na motema malam. Pe bonde ko ya sol. Basel batu ya boboto. Pe ba me bate la kamala. Makambo nyonso oyo mebeko epesi yango. Et puis qui s'y engote. Batu ya Christ Yesu Christ. Batu ya Christ Yesu. Basi ba mepesi. Po bakufa. Na kulu suboye. Basi ba bombama. Basi ba boma ba posa. Pe. Lokoso ya bomoto. Amen. 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 Tout ce que nous avons cité. C'est ça que Dieu a envoyé son fils. Pour que l'homme puisse savoir. Que l'amour. Dans l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la douceur, il y a la maîtrise de soi. Tout ce que nous avons cité ici en Lingala. Amen, amen. Amen. Mais voilà ce qui tue l'homme. La haine et la jalousie. Tant que tu es jaloux, tant que tu es la haine, il peut se permettre tout. Oui, mais tant que tu es la haine, tu es un chrétien. Tu es un chrétien. Vous pena ba pasteur, vous coûtez pena ba toba yebi nzambe. Baza ko kuchona na ba poison. Baza ko ina na bango na bango. Pourquoi? Puisque ba œuvre de diable nano et longo kat na bango ina yete. Nano 50 ans de pota détruire ba œuvre ya Satan kat na bango ina yete. Ya mon Dieu zo mon toi na haine. Mon toi za jaloux. Mon toi zo sa makambo minene. Il y a ma vie qui est hypocrite, hypocrisie. Pour être mon toit, non, œuvre à Satan, ils ont détruit quand nous avons été. Luc 4, verset 13. Luc 4. Luc 4, verset 13, on nous dit ceci. 4:13 Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jusqu'à un moment favorable. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ a été tenté par l'ennemi Satan. Le Fils de Dieu a été tenté par l'ennemi Satan. Alors, comme Jésus lui répondait toujours, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tant que Yé, Azaki, Kouta la jeune, Yesu Christ à l'embaki. Satan a profité pour nous faire maintenant le col à outina la jeune. Tikana qui est de contenter Yé. Amen, amen. Amen. Mais Jésus Christ, Bible et le bien, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable. Il s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen, amen, amen. Un moment favorable dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est au moment où il s'engage, bien aimé, à se défendre comme il faut devant l'ennemi Satan. Et l'ennemi Satan fuira. La Bible dit dans Jacques 4, verset 7. Amen. Amen. Que Satan, on lit d'abord, pour ne pas dire n'importe quoi. On garde ça, on va directement à Jacques 4. Jacques 4, verset 7. Et on va revenir au verset que là où j'étais tout à l'heure. C'est très important. Jacques. Oui. Amen. Oui.
Nous disons, Jean 4, verset 7, il dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen, amen. Dans ce verset, Jésus a été tenté. Mais le diable s'est éloigné de lui, puisque Jésus lui a apporté toujours les versets. Il est écrit. Il est écrit. Amen. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas ceci. Tu ne tenteras jamais ton Seigneur. Amen. Amen. Mm-hmm. Alors la Bible nous dit 4, 7. Yeah, soumettez-vous donc à Dieu. Donc, Jacques. J'avais dit Jean. Yeah. Ah, c'est Jacques 4. Jacques 4, verset 7. Il dit, soumettez-vous donc. Vous devez vous soumettre à Dieu. Et résister au diable. Et l'enfant de Dieu doit se soumettre à Dieu. Amen. Il doit se soumettre à Dieu et résister au Satan. Quand Satan vient te tenter, tu dois le résister avec la parole. Comme Jésus l'a résisté ici avec la parole. Dans les versets que nous avons lus ici, tout à l'heure, de Luc 4, verset 13. Commencez par le verset 12. Amen. Amen. Il dit ceci. Il dit ceci, verset 12. Jésus lui répondit. Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Amen. Mm-hmm. Pourquoi? Puisque, à le Bakinaïe, ils te prosterneront devant les mains et te paient. Hein? Amen. Mm-hmm. Alibi. Amen. Mm-hmm. Amen. Amen. Puisque la verset 9, écoutez, là où l'histoire a commencé. Le diable le conduisit à Jérusalem. Les plaça sur les hauts du temple. Et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici, en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à des anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Amen. Amen. Moi, dans un il faut un verset. Azamoto, il y a le mal dans un but. Pour être avant de quoi répondre, Satan Ticotac. Satan est en train de nous tenter dans tout et pour tout. Mais si toi, tu as la parole de Dieu en toi, tu sais comment te défendre. Amen. 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 Luc 24, verset 26. Et nous allons chuter bientôt. Luc 24, verset 26. Il dit ceci. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Amen. 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 Tout ce que Christ a souffert, c'était pour préparer sa gloire. Amen. 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 Christ est mort, il est résisté après 3 jours. Il lui dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire. Et l'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit savoir très bien qu'il y a un moment favorable où il doit dire à Satan, c'est tout. C'est tout. Toi, Satan, qui m'a amené toujours l'ivrognerie, j'étais ivrogne. Fini l'ivrognerie dans ma vie. Il doit savoir dire non à un moment favorable. Et Satan fuira loin de lui. Il doit résister à l'ennemi Satan. La haine, t'es galaboy. Jalousie, galaboy. Alors, tu sais, jalousie, n'a mon ingate. Y'a mon ingate, y'a mon ingate. Zambé, mon copé, ça, y'a un ganata, ou y'a coqui. Satan, ou y'a coqui, jalousie, katnanga, puisque la mon ingate, azo pambo. La commune est selon katnanga. Il faut savoir prendre une décision. Amen. Pour détruire les œuvres diaboliques de Satan. Les œuvres de Satan dans notre vie chrétienne. Amen. 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 1 Pierre 5, verset 6 à 11. 1 Pierre 5, verset 6 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. 1 Pierre 5, verset 6 à 11. Amen. Amen. Il nous dit ceci. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que, que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 10. Le Dieu de toute grâce qui vous appelle, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera-t-il, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 C'est très important, bien-aimé. Les temps de Dieu, quand ça arrive dans ta vie, le temps où tu prends la décision. Amen, amen. Na tango élévation de et lingeya bien aimé. Tango ne soke koki. Mokoye va couper ça. Mokongo na ba souffrance. Mokoye va couper ça mokongo na makambu oyo ezali ezangatina. Tango ya élévation na yo ezali tango ya succès. Oyo nzamba zo pesa yo. Amen, amen. Le temps de Dieu. Nous servons le Dieu qu'on dit à Tchouba, Zambi wa Badjamba, wa Benda Badjamba. Amen, amen. Zambi Oyo, Yabatu Yalolendo, Zambi Oyo, Yabatu Oyo, Bakoka. Amen, amen. C'est le Dieu que nous servons. Quand vous prenez la décision, bien-aimé, ya kolongwa na masumu kolope alongolo na babobelo wana ya masumu tango ju decision kolo na puissance na alongolo yo a commission moto msusu le temps là c'est ça qu'on dit le temps convenable pour Dieu mais pour mutavanda pour que tu puisses être très bien il faut avoir la vie réservée. Amen. Il faut être sobre, il faut savoir veiller dans tout ce qui te dit. Il faut vous décharger de tous vos soucis auprès de l'Éternel. Amen. Amen. Savoir qu'est-ce que je suis en train d'attendre. Qu'est-ce que je suis en train de regarder. Qu'est-ce que je suis en train de voir. Amen. Amen. Moi, dans l'ensemble, ou à l'ingamona, temps convenable, que vous avez, moi, à l'ingamona, ma camarade, je vais vous donner les quatre noms, et singeli, à singeli, koyokak. Amen. Komona. Pekotane nini ou nazali kosal. Mato y koyoka. Loba nanzambe. Pekotika koyoka n'importe quoi. Pekotika komona n'importe quoi. Amen. Pekotika pe kotala n'importe quoi. Koyoka loba nanzambe. Puisqu'il y a des différences entre entendre, regarder et voir. Amen. Amen. Il ne faut pas ouvrir la porte au serpent. Il ne faut pas ouvrir la porte au Satan. Mais il faut savoir fermer la porte à Satan. Il faut savoir être éveillé. Amen. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Amen. Et résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous affranchira, et il va vous rendre inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Que
Dieu vous bénisse. Amen. Yahweh fongola lola ba beni ba bikae. Yahweh fongola lola ba sali ba zunguya. Yahweh fongola lola makambwe bomana ye. Yahweh fongola lola ye. Beta maboko wana makasi. Nangambwa banguna na yo ezo bomo na makake.